Gauthier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous, plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. Lorsque j'ai rencontré Émile et Kim séparément pendant les auditions d'un été en France, j'ai tout de suite su qu'ils étaient faits pour s'entendre. Même si tous les deux avaient une virtuosité classique indéniable, il était évident qu'ils devaient partager pendant la tournée leur passion commune pour l'improvisation. C'est bon ? C'est bien, ouais. Ça me va très bien. Alors Émile et moi, on se connaissait pas et du coup c'était une belle rencontre parce que lui aussi, il aime beaucoup le jazz et improviser de manière générale. Donc Gauthier avait trouvé ça intéressant de nous mettre en duo. Et effectivement, on a passé des répètes aussi à improviser un peu librement comme ça, c'était très sympa. Donc voilà, je suis content d'avoir fait sa rencontre. Chance de rencontrer Kim très tôt. Son professeur Michel Marie me l'a amené et c'était un petit garçon de 9 ans qui improvisait déjà complètement naturellement et qui jouait déjà des œuvres d'un certain niveau. C'est toujours un bonheur de travailler avec lui parce que d'emblée j'ai découvert cette spontanéité extraordinaire. Non, ça c'est de très 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 bon niveau. Évidemment, il a une oreille hors du commun, une mémoire musicale exceptionnelle et une intuition musicale qui est complètement extraordinaire. Voilà, tu vois, partout, ça marche bien quand tu le dessines comme ça. Ouais. Kim a toujours été improvisateur, c'est là où il est complètement libre. Un jour, il nous a montré pour la première fois un tout petit peu de jazz, on était stupéfaits.
Et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'il écoutait énormément et donc qu'il s'est amusé à reproduire, y compris le jazz le plus virtuose. Mon travail a été un petit peu ingrat d'une certaine façon, puisque j'ai dû être celui qui a dû en permanence essayer de cadrer ce talent brut et en même temps, surtout, de ne pas tuer cette petite flamme tout à fait exceptionnelle. Lorsqu'avec Kim et Émile, nous sommes arrivés à Éther, Bruno Ficheux, le maire de la ville et son adjointe Dorothée, nous avait réservé un accueil des plus émouvants. Merci de nous accueillir. Oh, génial. Incroyable. Et vous avez quel âge? Bravo. Bravo. Mais ce soir, là, on dépasse très largement les frontières de la commune. Il y a des personnes qui viennent 300, 400 kilomètres. On a vu des gens qui venaient de Sologne, de Paris, de la Somme, de l'Oise. Ça nous a stupéfaits. Et quand on a vu que voilà, l'été arrivait, le nom de la tournée, Un été en France, c'était vraiment l'été. Tout est parfait. Parfois, toutes les planètes, elles s'alignent. Là, la planète d'Éther, elle est venue s'aligner juste comme il fallait. C'est génial, cette scène, quand même. Un truc à l'anglaise. On va avoir le coucher du soleil d'ici une heure. C'est un grand moment pour la ville d'Éther. On s'en souviendra. Je pense que pour la population, c'est... Pour les Éthéroises, les Éthérois, c'est une grande fierté qu'un événement de cette qualité puisse se dérouler ici. Et j'en mesure, j'ai l'impression à l'instant T, tout le poids. Je suis content. Bien. La beauté du parc municipal, la ferveur de son public et l'accueil si chaleureux de Bruno et Dorothée, tout était réuni à Éther pour que nous vivions avec Kim et Émile un moment vraiment magique et exceptionnel. Et puis, l'été, bonne suite, on va suivre ça à distance. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Merci, merci. Non, on ne pleurera pas. Notre prochain concert, nous avions cette fois rendez-vous à Calais avec trois orchestres à l'école de Neuilly-les-Mines. Ça, c'est ce qui permet de jouer juste. Mais non, c'est une batterie. Ça serait facile, hein? C'est pour le micro. C'est le micro qui est accroché là. Comme ça, tout est, j'ai pas les fils qui se baladent. C'est pour ça qu'on entend tout de la... Mais oui, mais on est tous sonorisés. Parce que c'est tellement grand. Julien, tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends. Ça va pour toi? Ouais, ça va, ça prend forme. Cool. Bravo tout le monde. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, je parle souvent à mon violoncelle. Mais il répond. Très gentil avec moi. Pierre-Marie Fontaine à la direction et on interprète orchestre à l'école, le blues. Voilà. Oh yeah.
Ah mais c'est top. Tu sais ce que tu me fais? Quand je fais l'annonce, tu me fais un petit... Ok? Ça sera vachement plus sympa. Fais-moi des petites impros quand je fais les annonces. Je t'engage sur la tournée. T'es libre? Allez, bravo. Bravo à tous. Donc là, c'est votre premier grand concert, tous ensemble? Waouh. On s'est vu la première fois vendredi. Non. Si. La première répétition tous ensemble, tous ensemble, vendredi. C'était vendredi matin. Ah non, mais là, je suis vraiment bluffé. Et vous avez répété quand même dans... Séparément. Séparément. Et la première fois, les trois orchestres vendredi. Ben voilà, trois répétitions. Trois répétitions. Comme les pros. Voilà. Pourquoi vous avez choisi cet instrument et pas un autre? Mes parents m'ont donné un violon quand j'avais 4 ans et demi. Et j'ai pas aimé. Et j'en ai joué très peu, et tu vois, je m'en souviens même pas, en fait. C'est mes parents qui m'ont raconté l'histoire. Et donc après, ils m'ont donné un violoncelle. Et violoncelle, tout de suite, j'ai ressenti que c'était mon instrument. Tu vois, ça s'explique pas parfois. Je sais pas pourquoi j'aimais pas le violon, mais j'ai pas aimé. J'avais pas envie d'en jouer, alors que le violoncelle, tu vois, dès que je l'ai eu, je passais du temps dessus, je m'amusais, j'avais envie. Mais après, c'est personnel. Chacun, on a tous une histoire différente à raconter avec son instrument, puis... C'est toi qui trouves ton instrument, mais c'est lui qui te trouve aussi. L'instrument qui te convient, que vous trouvez joli, vous aimez le son. Ce qu'on vit avec vous, c'est incroyable, parce que pour vous, c'est le premier concert, vous êtes sur scène, c'est plein d'émotions, mais pour nous aussi, hein, de jouer avec vous, pour nous tous, c'est très émouvant. Quand vous aurez fini orchestre à l'école, arrêtez pas la musique, continuez. Même si c'est juste pour vous, le week-end ou... C'est important, c'est un privilège, hein. C'est un cadeau de savoir jouer d'un instrument. Plein de gens qui aimeraient savoir jouer et qui n'ont pas eu la chance quand ils avaient vos âges. Vous avez une chance folle, avec des professeurs qui sont là pour vous. C'est beaucoup de chance. Vous comprendrez plus tard, mais lâchez pas vos instruments. C'est bien, c'est important de faire de la musique. Et c'est bien pas seulement pour la musique, mais c'est aussi ce que vous vivez tous ensemble. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est des souvenirs que vous n'oublierez jamais. Hein. Après leur concert avec orchestre à l'école, Émile et Kim devaient jouer à nouveau en soliste une série de pièces classiques en duo ou en solo, et ils avaient bien sûr décidé de terminer leur programme par une improvisation de jazz. Ready? Allez, amusez-vous. Yes. Merci Gauthier. Bien profité aussi tous les deux, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Incroyable. Depuis leur rencontre sur la tournée Un été en France, Kim et Émile continuent de partager avec le public leur passion pour l'improvisation et le bonheur d'être à nouveau ensemble.
saiba que isto é me provoca imensa dor. Sou privilegiado de me ouvir igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo metido de vergonha.